escalier. C'est bien. Bien cet escalier. Ben oui, c'est bien solide, hein, dit. C'est solide. Ça, c'est du solide, hein, dit. C'est du solide. Ah, toi, tu... Oui, oui, le week-end. Ah, tu viens ici? Je viens. Ah, je ne savais pas. Non, c'est solide, là. C'est bien, ils travaillent même les jouets. Tu sais ce qui est intelligent, là? Très bien. Dans le fond, c'est le lac là-bas, hein? Oui, là-bas, il y a cette terre-là. Là, tu vois une couche. Promenade. C'est vrai qu'à l'époque, il y avait l'ISTA. Moi, j'ai connu l'ISTA à Kin, c'était quelque chose. Il faut qu'ils amènent un camion plus. Oui, il faut amener une. Non, ça ne va pas, ça va pas le faire. Ils doivent tirer de deux côtés. Non, ça. Ils doivent tirer par ici, le levier d'abord. C'est bien un engin lourd. Oui, un 4.
un Caterpillar ou un truc comme ça. Hein, ouais. Une bonne grue là, directement. Moi j'ai râlé, je mange, j'en ai marre quoi. Et puis j'ai dit non, garde ta vieille carcasse. Non, c'est vrai. Si je fais une griffe dans la nouvelle bagnole, ce sera pour ma pomme quoi. Au moins avec ma vieille carcasse, les gens avaient peur de moi aussi. Les motards. Et les autres, comme les taximens, ils savent. Ils te voient avec une belle bagnole là. Ils s'en foutent. Ils avancent, ils savent que non, tu vas freiner parce que tu voilà, ne voudras pas. Ils te disent carrément arrête, on va connaître ta belle bagnole. Alors le boss me dit, j'ai dit non. Je garde ma vieille carcasse. Moi-même, je prends la brosse avant de partir. Je vais nettoyer l'intérieur. C'est juste un petit coup de balai. Ça ne me dérange pas du tout. Et là, j'étais à l'aise. Quoi. Un vieux diesel qui ne coupe pas. Pas de problème. Alors, quand je suis arrivé en Colombie en 2021, cette route n'existait pas. Hein? Non ? Ah oui, donc c'est récent. C'est récent tout ça. Oh. Oui, s'il te cogne. Si les gens ont vu que c'est le gars qui t'a cogné, ça va. Mais si les gens n'ont pas vu, ils vont croire que c'est toi qui as cogné le motard. Là, mon cher ami, même ici, oui, hein. Ils sont très agressifs. Très agressifs. Une fois que tu le cognes, c'est tout le monde qui vient. Ah, oui, ils se supportent, ils sont. Même c'est si fini, c'est lui qui était fautif. T'as rien à dire. Hein. Oui, c'est vrai, il faut. On sort ici. Il est en train de. On sort par ici. Il est là, il n'a pas peur, hein, au lieu d'aborder. Et donc la route s'appelle comment? Contournement quoi, ou non? Ça, c'est Ongongandou, prolongation Ongongandou. Je ne connaissais pas ici. Prolongation? On vient Ongongandou. Ongongandou, c'est notre avenue par quoi on est venu. Je viens à voir parce que c'est arrivé pas pour passer dans le chantier. T'as pas froid derrière, ça va? Ça va. J'ai mon pull. Et oui, à côté de la mairie, voilà. Mais ça fait, je crois, 4 ans qu'ils ont déjà déménagé. Kazembe, route Kazembe. C'est beau ici, hein. Et donc là, c'est le gouvernorat. Ça, c'est nouveau. Il y a la banque centrale, il y a le gouvernorat et la résidence présidentielle. Ah oui, tout ça, waouh. Donc ça c'est la banque centrale du Congo. Ouais. Et puis au milieu, c'est la résidence du président. Quand il vient, c'est Il loge. Donc il loge, donc ici. Ouais. Et puis, donc c'est ça la résidence. Ouais. Et puis ça, c'est le gouverneur. Ouais. Ça, le gouverneur. Ça, c'est le gouverneur. Ouais. Elle est au troisième niveau. Ok. Vraiment en dehors de la ville. Hein. Ouais. Vous avez intérêt pour se voir régulièrement? Oui, jusqu'à. Combien de temps il met? C'est long, hein? C'est long? Ah oui, c'est long. C'est ça le monument. Ah, ça c'est monument. Il vient de. Où ça? Le mur ici. Ah, le mur là, ici, oui. Ça, c'est on appelle ça monument, c'est vrai. Oui. À l'intérieur, là, c'est là qu'il y a pris. Ils viennent de construire ça avant, tu pouvais voir les tombes. Ah, ok. Donc c'est... Ah oui, voilà. Donc c'est le... les événements de la guerre de 78. Et on y va. C'est la route de l'Église de KCC. Ah oui, mais c'est... c'est ça, oui. Là, on va faire bon courage là-bas. Ah, c'est KCC qui est ici. Hein. Oui, oui. Et ça, on vient de mettre les plantes. Il n'y avait pas avant. C'est bien. Tu vois, hypnose à Lubumbashi. Non, il ne connaît pas loin. La cathédrale que Kabila a construit. Oui. Il voulait construire. Il voulait construire ici aussi Hypnose. C'est un restaurant, c'est un hôtel. C'est un bâtiment, il y a des bureaux, des salles de fête. Oui, des magasins. Il y a tellement de boutiques. Oui, mais quelques-unes, oui. Comme ça, ok. Tu vois, c'est escala. Tu tournes à droite et tu montes la rue, bon, c'est chez moi. Ah, ok. C'est au-dessus, en face de chez moi, il y a un carwash. Ah, oui, je vois. C'est juste en face. Ok. Qui m'a dit qu'on n'allait pas ouvrir les magasins? C'est tout bien. Bon, pas tout le monde. Hein. Si les gens vivent au jour le jour, ouais, donc même les jours fériés. Bah oui. Il y en a qui ouvrent. Bah, c'est ouvert. Ah non, pas ouvert comme les Canadiens. Ok. Il y a une route en terre, je suis au coin. Ah, oui. Ici, tu montes ici. D'accord, oui, oui. Tu montes. Okay. Et puis juste en face, il y a un carrouage à ta droite. Oui. Une autre en face. Il n'y a rien d'écrit, hein. Il n'y a pas de numéro, il n'y a même pas de nom. Ah, ok.
Ça, c'est la rue, comment ici? Toujours 39. Ça, c'est Laurent Désiré Kabila. Ah oui, Kabila. Qui fut à l'époque au Mobutu. Oui. Ah, c'était, oui. C'était okay. Mobutu avant. Ici à Kolwezi, une fois qu'il est 9h du soir, il n'y a plus personne sur le route. Oui, oui, c'est calme ici. C'est un restaurant chinois ici. Oui. Celui-là, non? Si je passe ou pas. C'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a rien. Même le dimanche, je fais des flics ici avec les gens. À Lubumba aussi, oui. Ah, il existe à Lubumba aussi? Oui, la thé, oui. Ça le fait bouger? Je ne sais pas, on va entrer, hein. On le suit. J'ai dit non. Mais je rentre dans les luxes, et je regarde le technicien, dit, mais tu es allé? Je dis, bah oui, c'est... Je moi, quand je suis arrivé, j'avais une lampe prise. Et on est bien. Alors, quand on a acheté ça, moi, j'ai dit non, je préfère l'autre, les gens me trouvaient bizarre. Bah oui. J'ai dit non, c'est vieux, ici, non? Oui. Ah oui, c'est ici, ancien gouvernorat. Oui. Et qu'est-ce qu'il fait là-dedans? Oui, il y a le ministère de l'Intérieur okay. Et des infrastructures qui sont restées là, okay. Et la direction technique. Ah, ça, c'est la mairie. Donc, je ne travaille pas pour... Il travaille pour la province. Ah, pour la province, ouais. Exactement. Il est le directeur technique de la province. Et ici, on est, c'est quelle avenue, ça, ici? C'est toujours Laurent Désiré. Ah oui, Laurent Désiré. Moi, je viens ici chez la maman. Ah, ok. Ah, c'est un petit marché là. Moi, c'est pire que les alimentations. Hein. Ouais, le prix ouais. Ici. Elles sont chères. Moi, je vais au marché là. Très à la cher poste. Ici. Ça, c'est mon avenue. Ah, ici, tu habites par ici? Je suis sur Industriel, plus loin là. Ah, okay. Oui. Ah, juste 4 maisons après nos bureaux. Ah, oui, oui, c'est ce que Valérie avait dit. Oui. Là, il y a des appartements aussi. Hein. Oui, oui, c'est aussi très cher. Très cher là. Presque les mêmes prix, oui. Avec ça, des chefs de boulangerie ouais. Ici. Comme le temps de faire une boulangerie, parce que je ne pas de faire des couleurs noires. Hein. Mais le problème, c'est que est-ce que tout le monde va acheter? C'est ça le problème. Les gens vont acheter. Ouais. Que la plupart des gens font mieux du pain de Boubou. Ouais. Les gens vont faire. Oui. Non, moi je viens. Il y a un petit marché. Oui, il y a un marché là. Tout ce qu'il y a, tomates et autres, fruits. Moi je viens acheter là-bas. Orange, ananas. Parce que le pain, il n'est pas bon du tout. Non, pas du tout. Mais je suppose que quelqu'un m'a dit qu'il y avait une boulangerie à l'époque. Et la personne a fermé, je ne sais pas pourquoi. Mais aussi, il faut s'adapter aussi à la, aux gens du terrain, comme Akin. Ils appellent Kanga Journée. Les Libanais, ils font 1 million de baguettes par jour. Akin, ça, Akin. Ça. Mais le pain, tout le monde achète, hein, même les expats, tout le monde. Il est croustillant, il ne va pas rester 2 jours, 3 jours, tu vois. Et dedans, c'est bien rempli, quoi. Mais tout le monde achète, c'est mangeable, c'est très bon. 1 million par jour. 1 million par jour. Là-bas, c'est des farines, des camions de farine qui viennent des citernes. Quoi. Ça prend quelqu'un qui manipule tout ça. Donc, le sel est par tonne, tout est là. Ouais, tu tapes, ouais. Les machines, prend bazar, autant de kilos de sel, autant d'eau, autant. Et tout tourne. Ils font 2-3 fournées par jour. Wow. Moi, on a des soupes de bon business. Hein. Terrible. Ça fait 1 million de baguettes. Ouais. Et la baguette coûtait à l'époque 1000 francs. Wow. Ou 500, 1000 francs. Donc, par jour, dans au coin, j'ai donné un avocat qui coûte plus cher que le pain. En fait, le pain est subventionné, on va dire. Hein. Ouais. La farine. La farine est. Ewabora ici. Ewabora. Il avait brûlé avec Mouyège à son temps, il a réhabilité ça. C'est Moïse plus... Mouyège. Mouyège, l'ancien gouverneur. Ah oui, Mouyège. C'est bien. Là, le gars métis belge et tout. Et il a fait sa fortune en vendant des pains à Boujimaï, de Kim. Il mettait dans l'avion, il dormait à l'aéroport pour voir la place. Il mettait du pain dans l'avion pour Boujimaï. Wow. Et ça partait.